Bonjour Ondine Hingan. Bonjour Jean-Christophe. Merci d'être avec nous en studio une fois par mois pour notre plus grand plaisir et pour le plaisir des auditrices et des auditeurs. Vous êtes notamment, puisque vous avez plusieurs activités, biologiste marin. Et la chronique de la mer, c'est vous qui nous l'a présentée, donc chaque mois. Exactement. Bienvenue à vous. Eh bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vous retrouve donc pour ma chronique de la mer et je vais vous parler de ceux qui réutilisent les déchets venant de la mer. Autrement dit, ceux qui font de l'upcycling avec les ressources marines. Jean-François, vous connaissez sûrement l'adage « le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ». C'est une situation très vraie quand on connaît la difficulté à recycler véritablement nos déchets, l'énergie que cela consomme et finalement le pourcentage très faible des matières premières vraiment recyclées. Mais si finalement nous allions plus loin, si nous disions que les déchets d'aujourd'hui sont nos ressources de demain, ou même mieux que nos déchets d'aujourd'hui deviennent nos ressources actuelles. Parce que c'est ça la boucle vertueuse, faire de nos déchets industriels nos solutions, nos matériaux, nos inspirations, nos meubles, nos équipements de sport, notre décoration et même nos cosmétiques. Sommes-nous fous et utopiques, ou plutôt visionnaires, à votre avis, Jean-François ? Jean-Christophe. Jean-Christophe, oh. C'est visionnaire, je crois. Visionnaire, eh oui, évidemment. Parler de valoriser nos déchets se conjugue au présent, et fort heureusement. On peut parler de recyclage, mais aussi de surcyclage, upcycling en anglais, ou même encore de réemploi. Connaissez-vous la différence entre l'upcycling et le recycling ? Eh bien, vous allez nous préciser ces concepts. Eh bien, avec l'upcycling, nous sommes vraiment dans ce concept de valeur ajoutée aux nouveaux produits vis-à-vis de l'ancien. Tire vers le haut alors. Hein. Ouais. Exactement, et sans transformation chimique du déchet. Dans l'upcycling, ce qui est intéressant, c'est que l'on va upgrader. On va aller tirer vers le haut le déchet pour le valoriser. On va faire du neuf avec du vieux, mais en mieux. Les produits inutilisés, les coproduits de l'industrie, les chutes dans les productions, gagnent de la valeur au lieu d'en perdre. C'est un terme qui est apparu dans les années 90. L'upcycling touche un large éventail de secteurs depuis ses débuts, comme l'habillement, la mode ou encore la décoration. Aujourd'hui, je vais m'attacher à vous parler d'initiatives qui upcyclent les déchets de la mer. Mais je n'aime pas trop le mot « déchet », qui est trop négatif. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de ceux qui réutilisent ce qui vient de la mer. Des initiatives en France, il y en a des belles, des très belles même. Nous, Bretons, nous connaissons bien les déchets coquillés, par exemple. Sur les plages ou chez les producteurs, on peut trouver toutes sortes de coquilles de mollusques ou de bivalves, des déchets qui sont générés en grande quantité par leur production, mais aussi par notre consommation. 250 000 tonnes de déchets sont rejetées chaque année en France. C'est énorme. C'est ici que de jeunes entreprises, tenues par de jeunes et moins jeunes entrepreneurs, surmotivés et visionnaires, prennent tout leur sens. Malakio, par exemple, est une jeune entreprise installée maintenant à Nantes, créée par deux jeunes bretons designers et qui développe du mobilier de cuisine et de décoration à partir de coquillages et de minéraux. Ils jouent sur les textures et les graphismes en travaillant différents coquillages, sur la finesse du broyage, sur l'ajout ou pas de pigments végétaux. Et ils créent ainsi aussi bien des plans de travail pour les grands chefs cuisiniers que des dessous de verre ou des porte-manteaux pour tout un chacun. Coquille d'huître, coquille Saint-Jacques, coquille de moule ou encore d'ormeau, Morgane et Hugo et leur équipe s'adonnent à donner une seconde vie à tous ces débris coquillés en créant des éléments de déco haut de gamme et très esthétiques. Intéressant. D'autres entrepreneurs de vannes cette fois-ci se sont aussi épris des rendus de coquilles, mais dans les montures de lunettes cette fois-ci. Je porte d'ailleurs depuis plus de 3 ans une de leurs créations avec des coquilles d'huître de Cancale. Ici, la traçabilité de la provenance de ces déchets amène encore plus de valeur aux produits finis, en plus du rendu esthétique incontestable. Lucille Vio, quant à elle, est géoverrière. Elle crée du verre à partir de différents matériaux, dont ses poudres de coquillage, qu'elle met en fusion avec d'autres déchets industriels qui viennent du BTP, par exemple. Sous sa main, naissent des pièces uniques, aux couleurs verdoyantes, déterminées par le mélange réalisé. Elle explore la géoverrerie comme personne, allant jusqu'à tisser le verre pour créer une toile de verre assez extraordinaire. Chez Odyssey aussi, nous upcyclons les trésors de la mer. De la poudre de coquille d'huître, par exemple, est utilisée dans notre masque gommage en poudre. Il permet d'exfolier la peau tout en apportant son lot de minéraux essentiels à sa bonne santé. D'ailleurs, en cosmétique, on trouve d'autres belles initiatives d'upcyclage, notamment pour la fabrication d'accessoires à partir de vieux filets de pêche. C'est la marque Le Futé qui valorise ses filets de pêche en Bretagne pour créer des porte-savons, par exemple, ou des peignes qui sont à l'aspect coloré et super esthétique. Dans le sport aussi, émergent de très belles initiatives. Dans le surf, par exemple, plusieurs entreprises utilisent des biomatériaux pour remplacer les pains de mousse, qui sont fabriqués traditionnellement en polyuréthane, un composé issu du pétrole. À Saint-Malo, par exemple, MD Surfboard développe des planches de surf à partir de déchets végétaux.
Paradoxal Surfboard, quant à eux, installés à Concarneau, créent des planches de surf à partir d'algues vertes échouées sur les plages. En effet, malheureusement, aucun Breton n'est passé à côté de ces marées vertes. À vrai dire, ce ne sont pas les algues vertes qui posent problème et qui ont tout à fait leur place dans un écosystème sain, mais c'est bien leur prolifération due à un excès de nutriments qui vient de notre agriculture, qui vont venir s'échouer sur les plages et entrer en putréfaction. Trouver des solutions pour utiliser et valoriser ce déchet devient essentiel aujourd'hui. Il existe quelques initiatives pour utiliser ces algues vertes, notamment en épandage sur les sols cultivés. Des filières de valorisation utilisent des broyats coquillés en tant qu'amendement calcique, qui implique aussi les agriculteurs situés à proximité des sites de production de coquillages. Mais on parle ici plutôt de recyclage que de upcyclage. Paradoxal Surfboard utilise donc de la poudre d'algues vertes pour fabriquer ses pains de planches de surf grâce à des imprimantes 3D. Un mélange de nouvelles technologies et d'écologie pour une économie vertueuse. Alors ce qui est génial avec cette démarche de valoriser tous ces coproduits, tous ces déchets, ces trésors qui ne partiront pas dans les stations de traitement de déchets, c'est aussi le fait de ne pas utiliser de matériaux neufs, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Toutes ces initiatives qui réutilisent l'existant, l'abandonné, le déchet dont on ne savait pas quoi faire et qui évite d'aller puiser dans les ressources naturelles ou d'utiliser du plastique, doivent se développer encore plus. Que cela devienne un premier réflexe, voir ce qui peut être utilisé en local avant d'imaginer puiser du non encore exploité. C'est l'avenir incontestable de nos objets de demain et de nos gestes quotidiens. Eh bien, merci beaucoup, Andine Ingan, donc créatrice d'Odyssey, hein, aussi cosmétique naturelle. Oui. Hein, Andine Ingan, et biologiste marin. Donc, vous avez plusieurs casquettes. Merci pour cette chronique sur ceux qui réutilisent la mer. Nous vous retrouvons dans un mois, si vous le voulez bien. Tout à fait. Derrière ce micro avec un nouveau sujet. Exactement. Toujours aussi intéressant. On vous souhaite une bonne continuation, Andine. Merci. À bientôt sur les ondes de Radio Parole de Vie. On poursuit en musique.